Hey, salut tout le monde, c'est Akomania et on se retrouve aujourd'hui pour le 15e ou 16e épisode de Zelda The Minish Cap. Donc bah, la dernière fois, bah, nous avons battu le boss du palais du vent. Et donc bah, dans cet épisode, on va faire le dernier donjon. Le dernier donjon parce qu'on était arrivé ici. Après le, bah, le palais du vent. Et j'ai pris qu'il cela qu'on fait parce que j'espère que ça va nous être utile. Allez, et on va le taper. Voilà. Oh, les rubis. Les loupis. Alors. Regarde, en même temps, ça enregistre. Aïe. Ah, je peux pas attaquer. Je peux rien faire. Alors, je sais qu'il faut aller. Je sais qu'il y a un truc quelque part par là. Oula. Attendez, il est où là, le truc? Ah, bah oui. Un truc quelque part par ici. Naturellement. Hop. Mais du coup, est-ce que je peux passer les escaliers? À part la mode, non. Oula. Mais chaud patate. Je peux pas passer les escaliers, hein. Aïe. Ah, ça fait mal. Attendez, si je tombe. Ok, je reviens par là. On a intérêt à se dépêcher. Ah, c'est cool ça. C'est cool. Alors. C'est bon, ça a ouvert un nœud de porte. Ça a ouvert un nœud de porte. Oui, bien sûr, hein, je continuerai après ce donjon-là. Voilà. On libère le roi de sa malédiction. Sa petite malédiction. Tom, c'est toi qui me délivres de ce sort. Tu as bien changé un autre type d'homme. On dirait qu'il s'est passé beaucoup de choses ici pendant que j'étais pétrifié. Ouais, c'est vrai. Je suppose que c'est l'œuvre de Vaati. En tant que roi, j'aimerais le châtier. Mais je me sens bien affaibli une fois que te retarder. Atom, tu peux être l'épée sacrée d'une trace à l'espoir. Je t'en prie, sauve ma petite aide, qui fait plus pour sortir d'ici. Ouais. Voilà, donc j'ai obtenu une clé pour sortir. C'est pas par là, bien sûr, faut remonter. Oh. Il est chaud. Voilà. Aïe. Dépêche, dépêche, je suis complet, ça veut. Voilà. Aïe. Là, peut-être. Allez, bute-les, 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 allez. Je sais pas si t'es fait en mousse. Ta-ta-ta-ta. J'ai obtenu la carte du donjon. Ouais, en même temps, je regarde un petit peu par là, hein. Par là, de ce côté-là, parce que vous avez un écran de PC là. Donc du coup, ça me permet de voir les deux écrans. Alors... Donc, il y a une porte fermée à clé ici. Une porte fermée à clé. Et des mobs. Un fruitement du bonheur. Ah, la magie de l'émulateur. Hop, voilà. Tempérien. Voilà.
Bon. Donc ici, il y a un petit téléporteur, c'est ça? Je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ici? Oulala! Tu devrais essayer de... Merci, j'avais remarqué. Allez, oui. Voilà. J'avais remarqué que c'est l'eau, merci. Ah, l'autre a essayé de me choper. Aïe, 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 aïe. Du premier coup. Ça mérite des applaudissements, ça. Allez, oui. Ah mince. Je sais pas comment on va faire. Allez, oui. Une petite clé. Ah, ça c'est cool. Voilà. Bon, c'est bon, on a ouvert cette porte là. En plus, il n'y a pas de cœur dans ce donjon. Il n'y a pas de cœur. Alors, je regarde un petit peu comment ça fait. Peut-être enseignant les coins. Ah oui, quand même. Bon, les coins, c'est la bonne option. Ah mince. Alors... Alors, faut faire comme ça. Faut faire. Hop. Voilà. Oh purée. Ah non, vous n'avez pas le droit là. Ah, ah, hop. 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 Et hop. Voilà. Bim. Alors, plus de renard violet. Ah, c'est déjà fait moins que la coffre. J'ai que dalle, quoi. Attendez, en fait, cette salle, elle sert à quoi?
salle là, peut-être il y a un truc avec des bombes. Non. Ah, faut être plus bas pour me prendre dessus. Après, je sais pas. Bon, c'est bien. Voilà. Château des ténèbres. Ouvert. Mais qu'est-ce qu'il faut faire dans la salle avec les renards? Qu'est-ce qu'il faut faire? Oh purée. Oh mais non. Les malades de retour. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Non, il y a rien. Si la salle est du sanctuaire, on va se redonner un peu de vie. Aller par là. Attendez, il y a peut-être une porte qu'on n'est pas allé chercher de l'autre côté. Non. Ah non. Attendez, il faut aller où?
Je deviens fou. Tant pis, je vais n'importe quoi. Voilà. Ok. Mais faut aller par où? Faut aller par... On va s'occuper de la tête de roc au cas où. Ok. On va commencer à m'énerver. Ah purée, elle est où? On va prendre un petit peu de chatouille. Elle est où? Voilà. Quoi, il peut pas aller? Ah non. Est-ce que je peux revenir? Je peux pas revenir par là. On va s'en mettre un petit peu de live. Voilà. On a toujours une 3 filles, ça c'est cool. Le château Molige. Aïe. Il est où ce château? Il faut aller par où? Réfléchissons. Je vais partir de celle-ci. Ouais.
fusil. Peut-être aider. Avant, on va se reprendre un petit peu de vie quand même. Ah, on va aller plus vite. Aïe, 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 aïe. On va se reprendre un petit peu de vie. On va s'en mettre. Voilà. Donc il faut sortir. Il faut sortir et revenir. Ouais, c'est bizarre quand même. Une fontaine de fée. Je trouve que c'est une fontaine de fée. On passe. C'est bon, il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Ça va passer. Oui, c'est passé. C'était une fontaine des fées. Ça ne servait à rien. Ici c'est bloqué. Donc je vais te rentrer par l'entrée principale du château. Salut, merci. Attendez, j'ai cherché la solution. Hein, parce qu'il y en a une nouvelle mon développeur. Je reviens tout de suite. Bon ouais. En fait, faut faire exploser un truc ici, quoi. Sérieusement. Allez. Rien ici, non, y'a rien. Et tape moi, essaye de me taper. Essaye de me taper. Essaye de me taper. Je vais lui faire que des coups comme ça. Oula. Voilà, c'est bon, il est mort. Oh, ça peut bouger ça. Oh, il y a des menus. Comment voici. Voilà. J'aurais pas pu faire ça.
puis on s'en fout, c'est une momie. Le mec il avait un peu regardé, je trouve des momies quand même. Alors, c'est bon, ils sont morts. Ils sont morts. Et bah. Cool. Un passage avec des tornades. Aïe. De Pégase pour avoir un peu d'élan. Ok. Allez. Oui. Non. Oui. J'ai chaud. J'ai eu chaud. Cette place là je vais les mettre moi ouais. On va aller voir cette place. Ok, c'est un horizontal que je veux faire. Non. Ok, alors voilà, je vais faire ça. Juste. On va avoir un bon timing pour pouvoir passer. C'est bon. C'est bon. Parce qu'il y a une dame qui avait fusionné avec un autre, ça c'est cool. Que 30 minutes de tournage. On va par contre là. Hop. Il fallait aller par là. Vite. Allez. Oui. Alors, je vais voir. On peut qu'il en fasse un peu le monde. Voilà. Vite. Allez. Oui. On est en train de survoler le château là en fait. Mais toi, toi, c'est bon. Ouais, c'est bien. C'est pas où? On pense à bien aussi. On pense à bien. Voilà.
Ah merci. Ah ça va, j'ai encore l'épée. Encore l'épée, la petite épée. Bah oui, je compte faire le donjon. Oh mon dieu. Ah mais... purée. Et ça va être long. Ça va être très très long. Alors... le petit flacon qui est bien. Bien sûr. Arrivé au boss, on va chercher de la potion bleue. Voilà. Parce que l'effet là, c'est bien un moment. Mais il faut aussi. Il faut aussi avoir un peu de potion bleue. Tout simplement. Alors. On va passer par là. Je regarde un petit peu mon deuxième écran, on va voir ce qui se passe. Donc on va retourner dans le téléporteur rouge. Ah ça va, il est là. Il est là, le petit téléporteur rouge. On va aller par là. Ok, donc on ne peut pas aller. Merci bien. On va aller par là. Par là. Donc ici il faut des bombes. Quoi? On ne poussait pas. Bien sûr, les quatre blocs. C'est bon. Merci. Voilà. Tout à fait le bon. Ah, le bon. Essayer un truc. Ok. Allons. Attendez. Voilà. Ah dommage. Je peux passer au bon moment. Et pourquoi c'était passé? Allez, je commence à traverser la plateforme là. Oh purée. Voilà. Ah des cœurs s'il vous plaît. Non. C'est plus la merde là. Alors. Je suis quand même un peu plus fusé. Avec cap de rock. Mais ça ne sert à rien. Voilà. Le héros. Attention, musique de boss. Aïe.
Non. Attention. Il est clair. On va charger un peu en bout. Ah, par contre, il faut des clés. Attendez, j'allais me chercher de la potion bleue. Je reviens. Que vous tournez bon. Alors voilà, de la potion bleue. La lucarnade du vent qui me sert à résine. Oula. Allez. Ça c'est bon. Voilà, c'est bon. Par ici. Donc on peut aller par ici, là. Ah, ok. Ouh. Besoin de flèches. Ah non, ça a fait assez mal. Allez, oh, j'ai vite à côté. Ah purée, allez. Faudrait être invincible pour faire ça. Pas faire. Je suis désolé, là on peut pas faire. Oula, ils sont deux quand même. Hein. Il y en a un fragment du bonheur, ça c'est cool. Allez, c'est bon. Oh purée, la lanterne. Quelques fées, des fantômes. Allez, doucement. En même temps, c'est des fantômes, je sais. Une petite clé, s'il vous plaît. C'est bon. En même temps, on va en profiter pour reprendre un peu de vie. On va aller par là. Combien de temps? 43 minutes de tournage. Mais ça va être cool quand on aura terminé. Oh purée, encore ce deux-là. Allez, tapez-moi.
Tapez-moi. Mais attendez. Ah, c'est bon, lui il est mort, il va pas me donner un petit... Ah, bon, c'est bon, les deux sont morts. Un petit cœur. Un cœur, s'il vous plaît. Yes, un petit peu de cœur. Alors... Mais si ça, ça marche pas. Non. Au moins ça peut faire, on peut fermer les cœurs. C'est cool ça, on peut fermer les cœurs. Alors attendez, on prend un petit peu de vie encore. On refait ça une dernière fois, si on a un peu de vie. Voilà. Alors attendez. Oh, j'aime bien un truc comme ça. Non, ça marche pas. C'est pas bon. Un truc à la vie verticale peut-être. Pas bon. Attendez, je regarde le schéma. Je le cherche, le schéma. Je le cherche. Ok. Alors, faut faire comme ça. Voilà. Hop. Je suis le schéma. Voilà. Voilà, faut juste en tuer un quoi, le fantôme. Maintenant. Voilà. Un fantôme du bonheur. C'est ça fait là. Ok, j'ai sauté dans le vide, on sait pas pourquoi. On va monter. J'ai deux petites clés. Ah. Ok. Ça permet de faire un petit peu de plein. Je vois pas par où il faut passer. La solution peut-être. On va retourner à la salle du téléporteur rouge. Ok, donc faut revenir à la salle du téléporteur rouge. Allez où cette salle déjà. Voilà. On est à la salle du téléporteur rouge pour tirer sur les dames. Il est descendu. Il est descendu. Ah ben c'est lui. Ok, je suis totalement prêt. Allez. Allez, tu es. Faut descendre. C'est ça. Allez, je vais regarder un petit peu comment c'était fait la salle.
c'est qu'elle nous transforme en croix. Alors, on fait faire comme ça. Hop. Hop. On attend que les flammes passent. Hop. On attend que les flammes passent. C'est bon. On attend que les flammes passent. Allez, dépêche-toi. C'est bon. Comme ça, ça se sait jamais. Hein. Ça a marché. Au moins, ça a marché. Voilà. On est sans mort. On a libéré la salle à l'étage pour une troisième petite clé, quand même. On va les brûler. Hop, hop, hop. Donc ici, je suis sûr qu'il y a un truc à exploser avec une bombe. On va monter. Mais ben non. Attends. Alors, chanter les deux mots d'ici, je lui ai dit que j'ai fait une routine spéciale avec lui, ensuite le bouton pour ouvrir la porte. Ouais. Bon, le bouton pour ouvrir la porte. Et occuper la quatrième petite et dernière petite clé, reprend ses chemins jusqu'à la salle au feu. Et. Alors, il faut aller jusqu'à la salle au feu. Non, il y a une salle. Peut-être c'est la salle qu'il faut. C'est la salle où il faut aller. Quoi. Moi, je ne peux pas repasser par là. Par là, par là. Là, la salle où fait vers la salle où il y a des filles. Au milieu de la base, à droite, il crée trois plombes. Deux salles plus haut. Alors, attendez. Là, la salle où fait, c'est-à-dire où? C'est pas par là. Ce n'est pas par là. Vers la salle au fait. Là. Là peut-être. Alors, venez de salle plus haut. Ah bah non, c'est un fail. En plus, il faut récupérer la dernière petite clé. Voilà. Ici, il y en a une, deux, trois. La dernière petite clé, elle est où? On en avait sauté, hein. À tous les coups. En tout cas, c'est pas par ici, je pense pas. Non. Il nous en manque une.
et on a terminé le donjon. On nous en manque une, on a fait le boss final et on a terminé le donjon. C'est qu'il y a un endroit où on n'était pas allé. Moi pas encore. C'était ici. Et apparemment, ça ne sert à rien d'aller là. Les fantômes sortaient, le combat est terminé. Mais revenez le entrant dans la salle. Oh, ouais. Revenez la salle plus rapidement. On a maximum à l'occasion qu'il y a la gauche face la crête rouge. Ok. Allez. On va prendre la potion bleue.
Quelle fumée. C'est vraiment fumier quoi. La mort. C'est par ici. C'est en haut. Voilà. Je vis tous les ennemis. Nous sommes quasiment à une heure de vie. Tout à fait. Alors, attends que la pomme passe. On peut se descaler vers le bord. Allez. Faire un safe state. Ok. Voilà. Je vais faire ça. Attendez, il y a quoi ici? Code à la clôture. Enfin. Ça c'est cool, du coup. Voilà, on est rechargé le cœur. Voilà. Voilà. Oh purée. Oh, c'était assez chaud quand même, hein. C'était assez chaud. Et ça va sous le vent, comment ça va plus chaud carrément rien dans le chaud. Je vais aller chercher de la potion bleue. Parce que je n'en ai plus. On va le faire en vidéo. Ça. Hop. Voilà. On a encore deux fées. De toute façon, après, on va retourner au chapitre 1. De toute façon, pour un quart de cœur. Oui, allez. On va aller la boire. Voilà. Bon, on revient au chapeau de la rue. De toute façon, on n'est pas très loin du truc. Ah. Le début qui m'a touché. Allez. Par contre, on a juste. Il faut le téléporteur bleu, bien sûr. Ça va, on a récupéré un cœur ici. Hop, hop, hop. Voilà, et pousse en pousse en pousse en pousse en pousse. Hein. Allez, la grande clé, je vais en la clé du boss. On va retourner dans la salle. Voilà. Et ça, ça par contre, ça va être marrant. Vous êtes vraiment coriace, hein. Si vous êtes venu pour m'empêcher de prendre la force, c'est trop tard.
Quand la cloche aura sonné trois fois, le salon premier sera rempli. En trois petites coups de cloche de merde. Je ne sais pas à qui de prendre une main, mais la princesse Zelda ne sera plus qu'un vulgaire bloc de pierre. Mais t'es un prédateur, abandonne-le au bout d'un sommet. Oh purée. Là. Là, s'il te plaît. Allez, aïe, allez. Merde. J'avais eu presque deux coups de cloche. Bon, j'en ai raté ça. Allez. Allez, hop, il y a un peu de petite cloche. Dépêche-toi. La cloche encore sonnée. Là, on aura 3 ennemis. Allez. On en a touché un. Ah purée. Allez. J'aurais plus de vie pour le boss. Hein. Attaquez-moi. Voilà. Je vais pouvoir mourir aussi. Hein. Voilà, lui il est mort. Allez, on va réussir, allez. Ah mais attendez, il s'est retourné super vite. Allez. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, c'est bon, il est mort. Il va mourir aussi. Allez. Ah, par contre, allez. Allez. Allez, meurs. T'as plus, Link. Mais pourquoi tu veux pas me frapper? Au lieu d'utiliser ton bouclier, je passe auprès de toi. Allez. Purée, il veut même pas attaquer, quoi. Allez. Il va mourir. Allez. Le mec, je passe auprès de lui, quoi. Voilà, c'est bon. Dépêche. Oh purée, ça va être chaud contre le boss. Pourquoi ce chapeau mythe, ce gamin, vient d'interrompre ma cérémonie? Alors attendez, je vais faire la safe state. Et puis je vous retrouve juste après. Je vais faire un truc. Chers amis. En plus, dans le début de l'épisode, j'ai oublié de vous présenter une Doogie. Hein, tout mignon, Doogie. J'ai acheté ce matin. Il est tout mignon. Le boss. Je crois que le boss va se dérouler en 3 phases. T'avais de l'eau? Je vais me faire regretter de vous être mis en travers de mon chemin. Oh, ça va être chiant! Il est chiant, lui. Ah, c'est bon, on a l'arc. Oh!
Oula. Allez, faut taper ses petits yeux en fait. Voilà. Et après, on le tape comme ça. Je crois qu'on aura le droit de se recharger, non? Hop, regardez, là, on peut faire ça. Voilà, j'en ai tapé un. Allez, il y en aura deux. Je fais quoi là? C'est bon. Oula. Ouais, ça va être simple en fait. Oula. Le pot magique. Ah purée. J'ai un puits de fée. Il n'en reste plus qu'un. T'as plus. Ah purée, il va être chiant. Ta-ta. Aïe. Ah par contre ça va être chiant. Ah. J'ai touché pas. Ah purée. Allez. Par contre il me faut de la potion bleue. Ok. C'est bon. Arrête de téléporter. Ah par contre, il me fait des filles aussi. Oh, Là, t'as mettre un espèce d'œil en fait. Et... J'espère qu'il y aura de quoi me soigner quand même. Attendez, je vais faire une safe state pour le boss. J'ai pas envie de tout recommencer. Voilà. Mais bon. Et des flèches. Ok, j'ai compris. Hop. Voilà. Hop, on a un sur le côté, deux sur le côté, c'est tout sur le côté. Ouais, apparemment. Allez. C'est l'autre côté. Ça va, ce boss il va être assez simple. Non. On va finir ce jeu. Oh. Mmh.
Allez. La dépêche. Et s'y met en plein de vent exprès. Méchant. Allez. Mais ça fait toucher, oh. Ça a touché les quatre. Hein. Allez, mais non. Allez. Des cœurs, s'il vous plaît. Sur le côté. Ouais. Ouh. Il bouge très vite quand même. Allez. Ah mais. Ouais. C'est que sur le côté. Aïe. 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 Ouh. Allez. Allez. Voilà. Voilà, c'est bon. Non. Ouais. Alors là, c'est vers le bas. Bon. Allez. Allez. Ouais. Allez. Mais non. Allez. Mais bon. C'est impossible, je suis trans mal. Mais par contre, j'ai plus de flacons. Save game. Comme ça. On a presque une heure et demie de vidéo. Ah, j'espère qu'au moins cette série vous aura plu. Bah je vais continuer après. Hein. On continuera après. Ah la merde, t'as complètement remise. Nous sommes arrivés juste à temps. Nous sommes arrivés juste à temps. On dirait que ce château s'effondre. Alors. On m'accepte par ici. Alors. On va faire le plein de cœur. Le plein de cœur et surtout le plein d'objets. Le plein de cœur, le plein de filles surtout. Le plein de filles. Regarde. Parce que tu vas avoir une petite fille. Voilà. Allez, hop. On te chope. Allez, ah, 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 ah. Pourquoi il n'y avait pas pris, je ne sais pas. Des bombes. On va faire le plein d'objets. On va profiter pour faire le plein d'objets. 41. 46.
50. Faut rester par ici, non? Je ne vous laisserai pas vous enfuir. Maintenant que j'ai acquis la force, je vais vous montrer mon vrai pouvoir. Je suis le pouvoir de... Le pouvoir de Vat, le prince du mal. Et donc là, en fait, ça va être un œil géant. Voilà. Et ça va être chiant. Voilà, le dernier boss du jeu. On va faire la save state juste ici. Aïe aïe aïe. Je peux faire quoi? Non. Je peux faire quoi déjà? Ah mince. Ah putain, tu tires avec l'arc. Mais j'ai déjà essayé. Les bombes. Un peu bloqué. Je fais comment là? Attendez, je vais regarder la solution. J'ai cru que j'avais oublié dans les toilettes. Mon téléphone. Oh l'œil. Ah oui. Alors, première forme. Troisième forme, c'est celle-là. Alors... Sans doute la forme de Vati la plus puissante, en effet, car le bras est levé et agité et rapide. Si tu l'as pas, il faut éliminer les deux bras. Justement, sauter dans le... Ah, faut utiliser le bâton sauteur. Le bâton sauteur. Voilà, c'est bien. Voilà. Non, mais... de moi. Putain, mais pourquoi donc tu refais les conneries? Le bâton sauteur. Ah, j'ai touché, hein. Voilà. Allez. Ah, j'étais dedans. Ah, normalement, il y en a un qui regarde un petit peu de côté. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est lui. C'est bon, on a éliminé un bras. Le bâton, allez! Non! Voilà, c'est bon. Ah, il y en a un qui regarde de côté. Ah, plus en plus, je vais utiliser la torche. Voilà. Un qui drop. Je peux utiliser l'arc. Bon. Thank you.
du mal. Mais non. Allez. Mais non. Mais... Allez, ouais, c'est bon. Je me concentrais en même temps. C'est impossible. La force du prince du mal ne peut pas perdre. On a gagné. Purée. 1h35 de live. Oh. Ah. J'espère que cette série vous aura plu. On va quand même continuer les autres épisodes, hein. Attends, on a quand même le flacon, le dernier flacon à aller chercher. Attends, tu es sain et sauf, tu as réussi à vaincre Variety, c'est un grand soulagement, mais les pertes sont terribles, le château, ses habitants. Ah, excello. Et on a mis un minish, dans la taille humaine. Voilà, c'est la taille des humains. Ça alors, j'ai retrouvé ma forme normale. Maintenant que Mati n'est plus, sa malédiction s'est dissipée. Mon nom est Excello, je suis le gardien du savoir des Minish. C'est moi qui ai créé le chapeau magique que portait Mati. À cause de moi, les humains ont subi de nombreux tourments. Je vous demande pardon. Beaucoup de gens nous ont quittés et le château est très endommagé. Mais il ne faut pas perdre espoir. La force est toujours là, dans le cœur des Zelda. Et nous avons le chapeau. Ah. C'est porté par une personne au cœur pur qui révèle son véritable pouvoir. C'est à vous de jouer, princesse Zelda. Faites un vœu et prononcez très fort.
Ah là, vous avez vu un petit peu là, cinématique. Regarde, le château se reforme et les gens retrouvent leur aspect normal. Tout redevient comme avant. Quel flux d'énergie est vital, si puissant qu'il consume le château. C'est un chapeau aveu. Son pouvoir matérialise les pensées de son porteur. Le cœur de Vaati était trop sombre. Il a changé en sorcier maléfique. Mais celui de Zelda rempli d'amour et combiné à la force a créé un miracle. Bien, je crois malheureusement que le moment est venu de nous quitter. La porte qui est ceux qui ouvre une fois par siècle sur le pays d'Iminiche va se refermer. Le mal a été repoussé, la princesse Zelda a ramené la lumière sur Hyrule. Ce doit retourner parmi les miens, désolé d'avoir causé autant d'ennuis. Atom, ce fut un plaisir de voyager avec toi. Je suis un peu triste de devoir te quitter. Accepte ce cadeau. Un petit chapeau. Ah, il va me manquer une petite excello. Hein. C'est la première fois que je te vois comme ça. Il te va bien, petit héros. Porte-toi bien. En tout cas, j'espère que cette série vous aura plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. Et mon coup de Twitter également. Laissez un petit like ou un petit commentaire, ça me fera plaisir. Allez, ciao tout le monde. Je vais vous laisser le générique. Et je vais vous dire adieu.